Voy a contar contigo. Le destin si sage est en train de demander que nous soyons sincères, n'est-ce pas? Eh bien alors, éclaircissons les choses. Quand as-tu connu cette dame? Je vous ai demandé de ne plus jamais revenir dans cette maison. C'est que vous voulez me faire du mal, comme vous l'avez déjà fait une fois. S'il vous plaît, de quoi est-ce qu'il s'agit? D'une dette en attente que j'ai avec Elbit. Mais quand as-tu connu cette dame? Franchement, je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer ici. Allons, s'il vous plaît, allons. Il est en train de se passer quelque chose ici, et quoi que ce soit, c'est de la douleur, des regrets, ou bien de la rancœur. Mais à cet instant, non, nous ne pouvons rien faire car ma grand-mère ne se sent pas bien. Elba! Qu'il s'en aille, Miranda. Oui, ce monsieur n'a rien à faire ici, qu'il s'en aille! Rimena? Rimena? Excusez-moi, madame, mais mademoiselle Rimena n'est pas là, elle est partie au supermarché. Mademoiselle, figurez-vous, c'est ce que je pensais. Une demoiselle. La vérité, c'est que cette maison ressemble à un couvent. Il y a des femmes amères et très frustrées, avec une libido exacerbée, mais sans personne qui leur fasse honneur. Il peut avoir passé un siècle. Les pleurs de ma mère, la douleur de ma mère que j'ai là, ici, et dans mon cœur. Allons, papa, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? On a trop fait en pardonnant à mon père l'attitude d'ordure qu'il a eue. Ma fille, ma mère ne méritait pas une telle trahison, et encore moins avec cette moins que rien de Elba Montiel. Miranda a raison, grand-père. La dame est très tourmentée, et toi aussi. Ce n'est pas le moment pour des faveurs. Non, s'il te plaît, non! Je ne veux pas partir. Maintenant, je veux parler avec elle. Tu dois m'écouter, s'il te plaît. Écoute, j'ai besoin que tu m'écoutes enfin pour m'enlever cette douleur que j'ai en moi depuis de nombreuses années. Elba, mon Dieu, écoute-moi si tu veux. Je te demande pardon à genoux, voilà, si c'est nécessaire. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. S'il te plaît, va-t'en. Il n'y a rien à écouter. Il n'y a rien à dire. Les explications ne vont pas changer les faits. Mais au moins, je peux soulager un peu cette douleur, non? Tu as déjà assez fait en me montrant le côté le plus triste et honteux de la conduite humaine. Je ne veux plus jamais te voir, Salvador Lombardi. S'il vous plaît, Monsieur Salvador, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Je vous en prie. Ça va aller, tu vas voir. Allez, va-t'en tranquillement. Je vais parler maintenant avec le père Augustin. Ça me fera beaucoup de bien de parler. Alors je vais dire à Maximo qu'il vienne te chercher. Non, 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 ce n'est pas nécessaire non plus. Je vais appeler Cheo, tu comprends? Alors il viendra me chercher après. Allez, allez, au revoir. Qu'as-tu fait alors? Alors? Qu'as-tu fait? Toi aussi, tu veux me juger maintenant? Non, non. Je veux seulement t'écouter et te comprendre en tant qu'homme.
Tu te sens mieux ? Oui. Mais je ne voudrais pas que tu t'angoisses autant pour moi. Ah, petite grand-mère, s'il te plaît. Pour ne pas m'angoisser, tu devrais être morte. Car tu es ce qui m'importe le plus au monde. Pardonne-moi pour ce mauvais moment. Non, petite grand-mère, ne t'inquiète pas. Repose-toi, ok ? Du calme. Oh, j'ai très peur de me pencher vers le passé de Salvador. J'ai vraiment peur de me retrouver avec toi. Vraiment peur de revivre tant de douleurs. Mais tout ça, c'est bien mieux. Maintenant, il s'avère que j'ai un père. Que t'arrive-t-il, Federico ? Tu vas me laisser ? Tu ne m'invites pas ? Imagine-toi, l'insolent, le vagabond, le moins que rien, appelant Madame Alarcón pour lui rappeler qu'il faut travailler, qu'il a une société sérieuse, que pendant ce temps, ici, il y a une montagne de choses à faire, et elle est très divine et elle est en train de prendre le soleil chez... Dans ma maison, chez mon mari, et avec mes enfants. C'est bien, peu importe, mais tu viens ici immédiatement, les filles t'attendent. Grégory n'a rien à leur faire faire. Oh, allons, Federico, s'il te plaît, cesse ta grande morale. Dans une heure, je suis là. D'abord, je me détends avec une succulente boisson. Non, Raisa. Une heure, c'est trop. C'est maintenant. Tu viens ici immédiatement, jeune fille. Ce travail est un ensemble. Et sors de cette maison, car ton mari ne va pas à nouveau te mettre dans son lit. Ça, c'est ce que tu crois, imbécile. Maman, tu es revenue ! Oh, oui ! Mes petits bébés. Oui, maman est à nouveau ici, mes chers trésors. Et maintenant, tu vas rester ? Pour toute la vie. Je vais rester avec vous et avec papa pour toujours. Mes jolis petits cœurs. Oh, un petit bisou. Tu te charges de la grand-mère, d'accord ? Tu prends soin d'elle et tu lui donnes ses cachets. Oui, Miranda, elle se repose déjà. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça, hein ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi depuis que ce monsieur est venu par ici, tout est bizarre ? Il y a de la haine, il y a de la tristesse, il y a de la rancœur. Pourquoi ? Je ne sais pas, Pura, je ne sais pas. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas notre grand-mère que je vais embêter en la questionnant sur le passé, car nous savons déjà que ce passé lui fait mal. Et alors que vas-tu faire, hein ? Tu vas retourner là-bas, Miranda ? Réfléchis bien. J'irai où je devrais aller. Monsieur Salvador va tout m'expliquer. Lui, pour moi, va tout me raconter. Ciao. Ciao, Miranda. Oh mon Dieu. Toi, tu sais très bien combien je te respecte. Mais tu ne peux pas tous nous réprimander, tous nous haïr, parce que nous n'avons pas vécu. Tu as alimenté ce sentiment irrationnel pendant des années. Non, non, ma haine a des bases. Elle a une histoire. Et ce que je n'avais pas prévu pour cette histoire, c'est qu'elle pourrait se répéter. Et pourtant, la voici, à nouveau. Tournant autour, faisant des clins d'œil. N'est-ce pas troublant ? Mon oncle, de quoi tu parles ? Miranda Valadares ! Cette femme est entrée dans notre famille pour tout chambouler. C'est le retour du cataclysme qu'on avait déjà surmonté. Mon oncle, tu ne peux pas juger les gens, et encore moins la culpabiliser, pour des erreurs d'autres personnes. Cette femme arrive. Elle arrive en annonçant le mal. Mais je ne vais pas permettre que cette famille... Cette misérable famille s'immisce dans la nôtre. Je t'ordonne, écoute-moi bien, je t'ordonne de sortir cette Miranda et sa famille de ce bâtiment. Je ne peux pas croire ce que je suis en train d'entendre. Je ne te reconnais plus, mon oncle. Il n'est pas possible que la haine te mène à ces extrêmes. Fais ce que je te dis, mon garçon ! Et Leonardo le sait ? Il est d'accord avec qu'il tout ça ? Qu'il soit d'accord ou non !
Je suis en train de te donner un ordre, et cet ordre, tu dois l'accomplir. Sors-la d'ici. Sors-la d'ici, ou je le ferai moi-même. C'est bien que tu sois revenu. Je dois parler avec toi. Moi aussi, je veux parler avec toi, papa. J'ai besoin de connaître la raison, l'origine de tant de rejets, de tant de haine envers Miranda et sa famille. Bonjour, Père Augustin. Tu ne m'as jamais vu comme ça, n'est-ce pas? Par ici, on dit que les hommes ne pleurent pas. Mais moi, ça m'est égal de pleurer. Je sais que Elbita, je peux imaginer qu'elle t'aura raconté toute l'histoire, non? Maintenant, je veux réellement me confesser à nouveau, une nouvelle fois, devant notre Dieu. Mais qu'a-t-il pu se passer pour que tu sois si angoissé, Salvador? Le passé est revenu, mon père. Ce que j'ai tant craint est enfin arrivé. Et franchement, je te dis que, et sans aucune honte, j'ai peur de la haine que Elbita ressent pour moi. Une haine qui est née de ma culpabilité et qui a détruit toute sa vie de famille. Et qui, aujourd'hui, menace aussi de détruire la mienne. Alors, racontez-moi ce que vous avez fait. Oui. Oh, maman, regarde la femme qui te fait pleurer. Dis-lui de partir. Rentrez vite à la maison, mes trésors. J'y vais maintenant. Ok, oui, viens. Hé, toi! Que fais-tu ici? Quoi, tu t'es perdu dans cette maison? Madame, je n'ai pas à vous donner d'explications. Mais pour votre tranquillité, je suis venue parler avec Monsieur Salvador. Menteuse! Tu viens faire les yeux doux à mon mari. Oh, madame, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit que je viens parler avec Monsieur Salvador. Mais tu es une vraie tête de mule. Tu crois que je suis stupide? Tu n'es qu'une fille bon marché. Une allumeuse. Maintenant, cessez vos insultes, s'il vous plaît, ok? Et cessez de juger ma personne sans me connaître. De plus, avez-vous, vous, une morale pour venir me jeter ça à la figure? Tu veux m'expliquer ce qui se passe avec toi et avec grand-père? Qu'est-ce qui se passe avec la grand-mère de Miranda? Avant de répondre à tes questions, je veux que tu saches que je viens de donner l'ordre à Germaine de sortir tous ces gens de notre propriété. C'est une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Je ne t'ai pas demandé ton opinion, limite-toi à exécuter mes ordres! Tu mets Miranda et sa famille à la rue? Tant que je suis en vie, cette Elba Montiel ne peut, non, sous aucun prétexte vivre dans une propriété des Lombardies. Pourquoi? Car cette femme, cette Elba Montiel, a été la cause de la mort de ta grand-mère. Car c'est le souvenir le plus ingrat de mon adolescence. Mêlée à la rue, car c'est là où elles doivent être! Un moment, papa. Tu ne peux pas décider pour nous tous. Exactement, tu as raison. Tais-toi! Si tu t'opposes, alors tu ne peux pas te considérer comme un Lombardi. Et tu ne seras plus mon fils. Je ne veux pas revoir, ni ici, ni dans ta maison, ni en aucun endroit et lieu qui aurait un rapport avec les Lombardies, cette Miranda Valadares. Tu me comprends bien?
qu'on ne la revoie plus. Tu vois, on n'a pas besoin de te connaître beaucoup pour savoir que tu es une moins que rien. Une vagabonde, une paysanne. Respectez-moi ! Malheureuse ! Écoutez, madame, je ne vous permets pas. Écoutez, ici, l'unique personne qui est moins que rien, c'est vous, madame. Va-t'en de chez moi. Va-t'en d'ici, immédiatement. Koundé à mort. Jette cette femme comme une chienne galeuse. Jette-la de chez moi. Dehors. Je veux que tu sois mon allié. Ton allié? Tu prétends que toi et moi, nous pouvons être alliés. Bon, je ne sais pas, ou mon associé, ou mon ami, ou que ça porte le nom que tu voudras, mais le titre qui te fait envie. Dario, s'il te plaît, tu sais parfaitement que toi et moi, nous ne pouvons pas passer plus d'une demi-heure sans être en désaccord. De plus, souviens-toi que toi et moi, nous avons été mariés. Mon très cher amour. Et ce n'est pas une plaisanterie. Car la pire époque de ma vie a été quand j'étais mariée avec toi. Oui, mais tu sais, maintenant, toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ah oui? Oui. Et c'est quoi? Écoute, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Non, non, écoute, moi non plus, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Tu es amoureuse de Lombardi, n'est-ce pas? Mmh. Ou bien au moins, c'est ce que tu m'avais dit avant que toi et moi, nous nous divorcions. Que tu n'avais pas encore oublié Lombardi, que tu l'aimais, et que tout comme moi, je ne peux pas oublier Miranda. On peut savoir ce qu'elle a, cette fille. Miranda a tout. Elle a trop de choses, vraiment. Mais tu sais, je crois que tu ne vas pas aimer entendre ce genre de choses. De plus, tu sais comment sont les femmes. Elles souffrent de ce type de comparaison. Écoute, tu sais quoi? Il vaut mieux que je m'en aille. Car mis à part le fait que tu sois amoureux de cette petite traînée, il n'y a rien de pire que d'écouter tes histoires, mon amour. Hé, hey, attends, du calme. Allons, détends-toi. Assieds-toi, calme-toi, prends un petit café. Écoute, toi et moi, il nous convient bien plus d'être amis qu'ennemis. Tu te charges de Lombardi, et moi de Miranda. Entre eux, il ne doit se présenter aucun type de relation. Maintenant, tu comprends ce que je veux dire? Salut Rita. Salut Miranda, comment vas-tu? Entre, en quoi puis-je t'aider? Écoute, j'ai besoin de parler avec Monsieur Leonardo Lombardi. Sincèrement, je crois qu'il ne va pas pouvoir te recevoir. C'est le pire moment pour tout le monde, Miranda. Tu ne peux pas prendre des décisions pour tes enfants. Ici, personne ne décide seul. Il s'agit de ma famille. Ces gens misérables veulent manipuler papa. Ils veulent intégrer la maison ou faire un mauvais coup, mon garçon. Ah, ça fait un moment qu'ils discutent. Vraiment, je te recommande de venir à un autre moment, Miranda. Ah, écoute, Rita, vraiment, écoute. Il est très important pour moi de parler avec lui. Je te comprends, s'il te plaît. Mais... Que fais-tu ici? Je suis une idiote. Pourquoi ne t'ai-je pas dit? Il fallait que je te sorte de mon cœur, vraiment. Pour ne pas permettre que tu me fasses tant de mal. Grand-mère, regarde, je t'ai apporté une rose pour que tu ne pleures plus. Ah, quelle très jolie rose, mon amour, merci beaucoup. C'est le petit vieux qui est venu, qui t'a fait pleurer? Non, mon amour. Ce sont tous ces souvenirs qui ont réapparu comme une fontaine d'eau. Mais celle qui ressemble à une fontaine, c'est toi, grand-mère. Car tu pleures et tu pleures. Dis-moi ce qui t'arrive, petite grand-mère. À moi, tu ne me dis jamais rien. Tu es un ange, mon cœur. Pour que je te rende triste, toi aussi. Mais après, les femmes disent que nous, les hommes, nous ne les comprenons pas. Mais nous ne les comprenons pas parce qu'elles ne disent pas ce qui leur arrive. Écoute, ce qui arrive, mon amour, c'est que...
je me suis souvenue de Chikinkira, ma fille morte. La mère de Miranda et Vicky. Hein? Tu vois? Je suis venue parler avec Monsieur Leonardo. De quoi? C'est une affaire personnelle. Et tu es venue t'expliquer pour ta vagabonde grand-mère? Pardon? Vous êtes en train de parler de ma grand-mère? Je suis en train de te parler de Elba Montiel. Une moins que rien. Tu ne le savais pas. Mais peut-être que ta grand-mère ne t'a jamais raconté ses aventures. Écoute-moi, jeune fille, alors serait-ce qu'il lui reste encore un petit peu de honte et qu'elle n'ose pas être sincère avec ses petites filles? Écoutez, monsieur, je ne vous permets pas de parler ainsi de ma grand-mère. Ici, celui qui ne permet rien, c'est moi! Sors d'ici. Hors d'ici, hors de ce bureau. Qu'est-ce qui se passe, papa? Hors d'ici, ou je te fais sortir par la sécurité! Laisse-la tranquille, tu es devenu fou! Hors de ce bureau, hors de nos vies! Tu décides, Leonardo. Ou tu restes avec ta famille, ou tu assumes la défense de cette vieille manipulatrice. La coupable de la mort de ta grand-mère. Tu veux un conseil, Salvador? Ne continue pas à fouiller le passé. Pourquoi remuer des temps tristes? Remets tout ça à Dieu, qui est le juge le plus juste. Oui, je le sais bien. Dieu est juste, très juste. Mais les hommes, non. Moi, maintenant, je voudrais... Je veux effacer l'erreur du passé, mais... Je ne sais pas comment le faire après tant d'années. La meilleure façon est de remettre ce gros problème aux mains du Tout-Puissant. Non, non. Ça, je ne peux pas le faire. Raimundo va se retourner contre cette famille. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'il ne va pas pardonner toutes ces années, toute l'angoisse qu'il a vécue. Il ne pardonnera pas le fait d'avoir vu sa mère comme ça, comme il l'a vue. Je ne peux pas rester indifférent à ça, tu comprends. Et je dirais en plus que... Je pense sincèrement que... Cette femme n'est pas coupable. Cette femme que j'ai vraiment tant aimée, que j'ai tant désirée. Ni elle, ni sa famille, ni ses gens. Aucun d'eux n'est coupable de rien du tout. Ils sont tous innocents. Innocents de tout. Mais... Que s'est-il passé? Pourquoi accusez-vous ma grand-mère? Qu'a-t-elle fait? Tu nous détestes? Non, non, je suis pas ici pour ça. Je suis venue ici pour que quelqu'un m'explique quelque chose, pour qu'on me dise ce qui s'est passé. Et ce qu'a fait ma grand-mère pour que maintenant, là, elle déteste autant Monsieur Salvador? Moi aussi, je voudrais le savoir. Ah, c'est que vous n'en avez pas idée? Et alors pourquoi juger et juger et juger? Mon grand-père n'a pas voulu parler avec moi. Lui et moi, nous avons une relation d'amis. Il va mal. Mon grand-père va très mal. Si mal qu'il n'a pas voulu me parler. Il n'a pas voulu me raconter. Alors je suis venue ici pour que toute la famille Lombardi m'insulte. Et en plus... Pour qu'il m'humilie. Car l'attitude de votre père a été assez démesurée. C'est de la fierté. Oui. Ah, c'est le mal de la famille. Oui. La fierté et l'orgueil sont les pires sentiments qu'un être humain peut ressentir, car ça ne le mène à rien. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pourrez tout avoir. Tout le pouvoir économique. Vous pourrez avoir beaucoup de prestige social.
Nous n'avons rien. Notre unique défense à nous, c'est la dignité. Mais je serai là, à moi ça m'est égal, ce qu'aura fait ma grand-mère. À moi ça m'est égal ce qui se sera passé entre ma grand-mère et Monsieur Salvador. Je vais être avec elle. Vous savez, je vais l'accompagner. Car si ici il faut répartir les fautes, je suis sûre qu'elles ne sont pas d'elle. Miranda! Miranda! Miranda, attends, s'il te plaît, Miranda! Miranda, s'il te plaît, viens ici! Allons du calme. Miranda, que se passe-t-il? Je ne te trouve pas très bien. Encore toi? Oui, c'est encore moi. Et je serai là à chaque fois. Et le temps qu'il faudra, et je serai toujours là, d'accord? Écoute, qu'as-tu, hein? Tu étais en train de pleurer, c'est ça? Je n'ai pas envie de parler avec toi, Dario. Bon, d'accord. Mais au moins, laisse-moi t'aider, d'accord? Je ne veux pas de ton aide. Je ne veux rien. Je veux... Ne te mets plus dans cet état, d'accord? Ok? Allez, ça va passer. Bon, qu'est-ce qui se passe, Purita, là? Qu'est-ce qu'ils croient, ces gens-là, hein? Peut-être que les Lombardistes se croient si supérieurs qu'ils peuvent débarquer comme ça et humilier les Valadares? Ah, Manolo, je ne sais même pas pourquoi je te l'ai raconté, sachant comme tu es. Écoute, s'ils croient que vous n'avez personne pour vous défendre, ils se trompent, ok? Manolo, tu ne vas nulle part, tu restes ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Purita? Je vais remettre ces gens-là à leur place. Mais ne te mêle pas de ça. Si je m'en mêle, Purita, si je m'en mêle, et tu sais pourquoi? Parce que Miranda est la femme que j'aime, et vous, sa famille, vous m'importez autant que si c'était pour moi. Alors j'y vais, ok? Manolo, pourquoi les hommes sont-ils aussi rustres, mon Dieu, pourquoi? Bon, c'est ce que j'ai pu obtenir. Ça va te tranquilliser. Allons, Miranda, s'il te plaît, prends-le, ça va te faire du bien, mon bébé, d'accord? Merci. Ne me remercie pas. Tu sais que je serai toujours à tes côtés pour prendre soin de toi et pour toujours te protéger. Tiens. Ah, Dario, s'il te plaît, ne commence pas, d'accord? Miranda. Bon, d'accord, alors au moins dis-moi. Je ne sais pas si tu as besoin d'aller quelque part. Tu sais que je connais quelques endroits ravissants et je sais qu'ils vont te plaire. Je ne veux aller avec toi nulle part, Dario. Miranda, s'il te plaît, l'unique chose que je suis en train de te demander, c'est que tu me donnes une autre chance. Mon bébé, je sais que tu as pleuré et que tu as souffert à cause de tout ce qui s'est passé. Et je sais aussi que tu ne méritais pas ça. Mais l'unique chose que je te demande, c'est que tu me donnes une autre chance, une toute petite chance, c'est tout. Non, Dario. Écoute, je te le dis maintenant calmement. Ne me poursuis plus. Bon alors, mets-moi à l'épreuve, hein? D'accord? Non, Dario. C'est que tu ne comprends pas, mon garçon, que... Écoute, que toutes mes larmes, que mon histoire d'amour, que toute notre relation est derrière, Dario. Tu ne comprends pas que rien dans la vie n'est éternel, hein? Que notre histoire d'amour dans cette vie est déjà morte. Excusez-moi. Oui, d'accord. Allô, Rita? Oui, c'est Eloïsa. Très bien, merci. Et mon frère? Non, c'est que je l'ai appelé au bureau, mais le portable est éteint. Oui, il est à l'entreprise, Madame Eloïsa, mais maintenant il n'est pas dans son bureau. Il est monté dans la salle de conférence. Ok. Alors préviens-le que j'ai appelé. Merci.
Ainsi, c'est vrai que tu es de retour à la maison ? Si tu te réfères au fait que je suis revenue dans ma maison, à l'endroit qui m'appartient, près de mes enfants et de mon mari, eh bien, on t'a très bien informée. Je suis à nouveau ici, et ce pour toujours. Miranda, tu es amoureuse d'un autre homme ? Non, Dario. De plus, l'amour m'est égal. Tu comprends ? Ici à l'intérieur, il y a une grande douleur. Et de grands espoirs de faire aller de l'avant ma famille. Tu sais bien que je peux t'aider. Tu le sais très bien. Oui. Merci de vouloir m'aider, mais je ne veux rien de toi. Mon bébé, mon amour. Écoute-moi, mon bébé, je n'ai plus de volonté, Miranda. Moi maintenant, non, j'ai perdu ma fierté, mon cœur, mon bébé. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu te rends compte, Dario, que mon corps ne tremble plus. Il ne réagit pas. Et il est mort. Aussi avec ton amour. Au revoir. Je peux vous aider en quelque chose ? Oui, je cherche Leonardo Lombardi. Vous avez rendez-vous avec lui ? Il est ici, oui ou non ? Bon, je pourrais vous annoncer, mais vous pouvez me donner votre nom. Non, ça va, c'est pas nécessaire, je m'annonce moi-même. Monsieur, attendez un petit moment, car vous ne pouvez pas entrer comme ça. Chut, chut. Je voulais te parler, Lombardi. Monsieur, excusez-moi, mais il n'a pas voulu s'annoncer. Cette maison avec cette femme ici va être un enfer. Il vaut mieux que je m'en aille. Grand-père ? Que t'arrive-t-il ? Rien. Qu'as-tu, grand-père ? Tu te sens mal ? Oui, je me sens très mal. Mais ce n'est pas une douleur physique. Ce n'est pas un mal du corps, c'est un mal... un mal de l'âme. Écoute, Eloisita. Ton père a parlé avec toi. Bon, si ça s'appelle parler. Je ne l'avais jamais vu autant incontrôlable. Je ne sais pas, grand-père, il fait des accusations terribles et sinistres. Que se passe-t-il, grand-père ? Raconte-moi. Dis-moi ce qui est en train de se passer. Parler de quoi ? Qui êtes-vous ? Manuel Martinez. Cet homme a rendez-vous avec moi ? Non, monsieur, c'est la première fois qu'il vient. Je n'ai pas besoin d'un rendez-vous pour que tu écoutes ce que je dois te dire, Lombardi, d'accord ? Un moment ! Je ne vous connais pas ! Sortez immédiatement d'ici ! Je partirai pas d'ici, tant que t'auras pas écouté ce que je suis venu te dire, Lombardi. Sortez immédiatement de mon bureau. Quel coup vous êtes en train de préparer à Miranda, vous tous, là, hein ? Comment ? Je te préviens, Lombardi. Écoute bien. Miranda n'est pas un jouet, ok ? Je suis l'ami de Valadérez depuis très longtemps. Et je joue ma vie pour elle si un Richard surpuissant et orgueilleux comme toi veut passer du bon temps avec Miranda, ok ? Ah ! Mon Dieu ! Sécurité ! Sécurité ! Comment vais-je faire ça, grand-père ?
Je ne pourrai jamais juger le grand-père que j'aime tant. Tu es un homme bon et que j'aime, et que je respecte beaucoup. Oui, je le sais, je le sais. Je le sais déjà moi-même. Mais je suis aussi un vieil homme. Un vieil homme qui a commis énormément d'erreurs, et qui maintenant lui pèse, tu sais. Ah, grand-père, et je ne suis personne pour te juger. Tous dans cette vie, nous avons notre part de douleur et de faute. Et quoi qu'il en soit, quoi que tu aies fait, tu ne l'as pas fait comme un monstre. Car tu as pu commettre 1000 erreurs. Mais tu n'es pas un monstre. Merci, ma chérie. On va pas en rester là. Dehors. On va pas en rester là. Tu vas me le payer, t'as entendu? Tu vas me le payer. Lâchez-moi. Ça va, lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien qu'on nous regarde, hein, Lombardi. Tu sais ça, bah tu me le paieras. Tu vas me le payer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quel cynique! Ah, Miranda! Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à grand-mère? Non, non, ce n'est pas notre grand-mère, Miranda. C'est à nouveau cette maudite expulsion. Quelle menace? Oh, il y a quelqu'un qui a appelé. C'était un maudit représentant juridique de Raimondo Lombardi. Quoi? Et alors? Mais voyons, Miranda, tu ne comprends pas. Nous devons quitter l'appartement dans 48 heures. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui arrive à mon père. Il n'avait pas à la traiter comme ça, avec cette agressivité, avec cet irrespect. Miranda est restée muette, et elle ne savait plus où se mettre. Mon père est terrible quand il s'y met, ouais. Ouais, c'est que notre oncle a un caractère à moitié démoniaque, ça c'est vrai, mais je ne l'avais jamais vu en train d'insulter ou d'offenser aucune femme. Je me sens même coupable. Coupable? Et coupable de quoi? Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'approprier les erreurs des autres? Hein? Mais moi aussi, j'ai été injuste avec Miranda. Je l'ai maltraitée, vraiment, cousin. J'ai été très maladroit avec elle. Reste tranquille, cousin. Je verrai bien la façon de m'excuser auprès de Miranda pour la conduite de mon oncle. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as eu ton lot, ça suffit. Avec Raissa. Cette femme immorale, toujours chez moi. Et cette femme était installée là-bas. Quand je suis allée parler avec Monsieur Salvador, elle m'a agressée comme une vipère. C'est que cette femme ne peut pas me voir, car ensuite elle m'a insultée. Ah non, elle est si vulgaire, si rustre, si ordinaire. Et pourtant si parfaite, si décente aux yeux de Monsieur Lombardi. Oui. Je ne sais pas comment il a pu tomber amoureux d'une femme si frivole et si superficielle. Tu sais une chose, Miranda? Tu plais à Monsieur Lombardi. Quoi? Et pourquoi tu dis ça, jeune fille? Bon, non, eh bien, disons que lorsqu'il est venu ici l'autre jour, eh bien, je l'ai perçu dans l'air. Tu connais ce dicton qui dit que les yeux sont le miroir de l'âme? Oui, oui, mais ça n'est pas le cas, Purita. Non, non, si, ça l'est, Miranda, ça l'est, tu ne t'en rends pas compte. Mais ce monsieur te regarde gentiment, non? Il te regarde comme de l'intérieur, vraiment. Ce qui se passe, c'est que... Écoute, ce qui se passe, c'est que Monsieur Leonardo, vraiment, Monsieur Leonardo, malgré son caractère et tous les problèmes qu'il a, est un homme au regard vraiment très doux et pur. Voilà, c'est tout. Si tu le penses... Salut. Miranda. Mon amour, Miranda. Miranda.
Miranda, mon amour. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo.